Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau est un écrivain de la période des Lumières du XVIIIe siècle. Il est né le 28 juin 1712 et il est mort le 2 juillet 1778. L'écrivain a eu une période difficile pendant son enfance puisque sa mère est morte à sa naissance. Il a vécu avec son père jusqu'à l'âge de 16 ans où il s'enfuit de la maison et part voyager et vagabonder. Durant sa jeunesse, il se passionne pour la musique avant de s'intéresser à l'écriture. Lors de ses voyages, il rencontre Madame de Varins en 1728, qui s'occupera de son éducation et qui deviendra sa maîtresse. Leur relation se terminera en 1737. Jean-Jacques Rousseau est connu pour les œuvres suivantes. Discours sur les sciences et les arts en 1750, La Nouvelle Héloïse en 1761, mais surtout pour Émile ou l'éducation, À quoi ça sert cela en 1762, qui est l'œuvre de l'auteur que nous étudierons.